Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation. C'est chez Jean-Luc Godard qu'Anna Karina a fait ses armes, dans des feux d'artifice novateurs comme Pierrot le Fou, Alphaville ou Bande à part. Et pourtant, c'est peut-être devant la caméra de Jacques Rivette, en 1966, qu'elle trouve l'un de ses plus grands rôles, la religieuse, fidèle adaptation du roman de Denis Diderot. Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, Sœur Suzanne, vous voulez nous quitter ? Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent ? Plus qu'un film, il s'agit très vite d'un véritable événement au cœur d'une polémique qui dépasse largement le cadre du cinéma. Décryptage avec Guillaume Évin, auteur d'un ouvrage remarqué sur le phénomène des films à scandale. Ce qui est étonnant, c'est que le film de Rivette, au départ, est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Jean Gruau 3 ans auparavant, en 1963. Déjà, d'ailleurs, avec Anna Karina. Et puis, avec le succès, il décide de l'adapter au cinéma. On écrit le scénario, tout se présente bien. Rivette et Gruau vont même rencontrer certains spécialistes. On va consulter Jean d'Ormesson, notamment, spécialiste des questions religieuses. On va voir un prêtre qui avait été expert pour Léon Morin, prêtre. Et lorsque Rivette et Gruau accouche du scénario définitif, rien ne laisse présager un tel scandale. Et en fait, la machine va se mettre en route, tout simplement, sous la pression des religieuses. L'association qui fédère les religieuses en France vont solliciter également Tante Yvonne, la femme du général de Gaulle. Et en fait, le film va être interdit, alors même que personne ne l'a vu. C'est du jamais vu. Il faut remonter à 30 ans auparavant pour avoir une telle sanction. Hein, c'était l'âge d'or de Buñuel. Et là, personne ne comprend. Ne me dites pas que vous quitterez ce voile sans remords. Ces vêtements qui vous ont lié à Jésus. Si, madame. Parce que je les ai pris en liberté. Oh, je voudrais les déchirer, les jeter loin de moi. Que dirons-nous, sœur ? C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre ? Je veux sortir d'ici ! Mais si c'est la maison qui vous déplaît ? C'est la maison, c'est mon état, c'est la religion ! Il veut être enfermé ici, ni ailleurs ! Le fait d'avoir pris le texte de Diderot, de lui avoir insufflé une seconde jeunesse, dans cette société de 65-66, ça a explosé. Mais comme beaucoup de films qui abordaient des sujets sensibles, en l'occurrence, l'isolement de la vie conventuelle et les tentations qui guettaient ces jeunes nonnes enfermées. Donc on a pu évoquer soit des sévices sexuels, soit des tourments moraux et des tortures psychologiques. Voilà, et c'est tout cela que Diderot a voulu dénoncer. Et dans les années 60, le mouvement religieux ne lui a pas pardonné. J'ai fait semblant jusqu'à ce jour de suivre la volonté de mes parents. Pour protester publiquement contre la violence qu'on veut me faire. Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas obéir à mes parents. Le pouvoir patine, interdit le film, consternation, la machine s'emballe, les médias prennent le relais. Malgré tout, Malraux décide d'envoyer le film à Cannes. Et là, la surprise générale, le film est encensé. Et donc finalement, on se rend compte qu'un film est acclamé à Cannes, projeté, alors même qu'il est interdit sur le territoire. Donc on est en pleine schizophrénie. Il faudra quand même attendre un an, donc en 67, pour que le film soit officiellement autorisé, et encore au moins de 18 ans. Et c'est seulement 20 ans plus tard que enfin cette interdiction au moins de 18 ans sera levée. Donc il a fallu 20 ans pour que la religieuse sorte de l'enfer. C'est la liberté que vous regrettez ? Oh, c'est cela et peut-être beaucoup d'autres choses. Quelles autres choses ? Mon ami, parlez-moi à cœur ouvert. Les films à scandale reposent souvent sur trois piliers, les trois piliers structurants. Donc nous avons le sexe, l'armée souvent, et la religion. Mais c'est vrai que la religion est un sujet qui cristallise. Bah, on l'a encore vu 20 ans après la religieuse avec la dernière tentation du Christ, où là aussi, une minorité agissante, très bien introduite dans les milieux religieux, a suscité un scandale de toutes pièces. C'est susceptible de revenir à tout moment.